Une cigogne se prélassait tout au creux d'un clocher. Elle avait préparé un nid douillet pour sa couvée de nouveau-né. Non loin de là, un scarabée se pare de ses plus beaux atours. Pour aller folâtrer dans les herbes alentour. Il enlève sa carapace et met à la place son manteau de velours écarlate assorti à son nœud pape. Il enfile sa queue de pie, prend son parapluie et partit. Se dirigeant vers la ville, il aperçut la cigogne se refaisant une beauté devant son miroir étoilé. Il grimpe au sommet du clocher et arrive devant elle tout essoufflé. Prise 2. Madame, ne vous envolez point! La regardant de haut, la cigogne répliqua. Vous n'êtes pas fait pour moi. Prenez-moi les roses que je vous ai cueillies, cela sera un souvenir de moi. Et il s'enfuit en pleurant. La cigogne, indifférente à son chagrin, se dit en le voyant partir et sans savoir où elle allait. Quel imprudent ! Ne sait-il point qu'une fière cigogne ne peut s'allier à un ridicule scarabée ? À ces mots, elle se cogna la tête contre les ailes d'un moulin qui tournait et mourut. Rien ne sert d'être fier devant un plus petit que soi. Na ! C'est quoi ce cantinier là? Hein, papa? Quoi ça?